Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Questions sans détour, qui va s'intéresser ce soir aux entreprises de pompes funèbres. Eux aussi, ils ont été au cœur de la crise, eux aussi, parfois débordés pour organiser des obsèques dans des conditions pas toujours évidentes, notamment dans les relations avec les familles. Pour en parler ce soir, nous recevons Christy Rambinaïssin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On rappelle que vous êtes conseillère funéraire au sein des pompes funèbres du même nom, Rambinaïssin. Vous êtes, vous aussi, vos métiers, au cœur de cette crise sanitaire. Vous avez senti, comme les autres, cette quatrième vague de façon exacerbée dans l'exercice de votre métier ? Oui, en effet, la quatrième vague a été bien plus difficile que les trois dernières réunies. Et au sein de notre entreprise, on l'a bien ressenti. Comment vous vous êtes adapté à la situation ? Comment vos équipes se sont adaptées à la situation ? On imagine qu'il y a eu un travail sur les horaires, aménager la pratique même des obsèques pour les familles. Comment cela s'est passé ? C'est tout à fait le cas. On a dû maintenant instaurer un enterrement le matin, le midi, en l'après-midi, chose qu'on ne faisait jamais. On a, dans la troisième vague, dû interrompre les veillées. On n'en fait plus, on fait juste les présentations. Et sur cette quatrième vague, justement, on faisait exposition à 8h, enterrement à 11h, et ainsi de suite, pour pouvoir écouler, j'ai envie de dire, la demande. Oui, forte demande. Est-ce que vos équipes également ont été préparées psychologiquement, si on peut dire, pour affronter cette vague et ce travail en surplus ? Alors, nous, sur les trois premières vagues, on n'a pas vraiment eu énormément de demandes. On a eu peut-être un décès au moins et encore. Donc forcément, lorsqu'on a vu arriver la quatrième vague, on s'est dit que ça irait. Et c'est sur le fait accompli au pied de marche qu'on a dû improviser. Alors, pas improviser, puisque ça reste notre travail, mais on a dû faire avec ce qui venait. Adapté, donc, effectivement. Ça suppose des heures supplémentaires, ça suppose une multiplication des équipes d'une commune à l'autre, d'un enterrement à l'autre, en règle générale. Oui, on a dû multiplier les équipes, on a dû élargir nos horaires pour pouvoir répondre au mieux aux familles, à leurs demandes, respecter les dernières volontés des défunts, puisque c'est le cœur de notre métier. Et c'était là la grande difficulté, conduire des obsèques dans une situation où on ne peut pas recevoir toute la famille, où on est obligé d'écourter le temps de recueillement. Comment vous avez géré cela ? Alors, effectivement, notre cœur de métier, c'est respecter les dernières volontés des défunts et également faire au mieux pour que les familles puissent offrir les funérailles qu'ils souhaitent à leurs proches. Ouais. On a dû faire en fonction de la réglementation, en fonction des arrêtés et en fonction de ce que nos équipes pouvaient fournir. Donc, c'était assez compliqué pour nous. Ouais. Il y a un vrai travail de communication avec la famille. De communication avec la famille, avec nos collaborateurs, avec les mairies aussi qui ont été notamment énormément sollicitées. Ouais. Donc, c'est un vrai travail d'équipe puisqu'il y a effectivement toute une chaîne de la déclaration du décès jusqu'à à l'enterrement. Avec les fossoyeurs également. Là aussi, il a fallu trouver une bonne collaboration. Il a fallu exactement trouver une bonne collaboration. Faire en sorte que le travail se fasse, que ce soit fluide, puisqu'on n'avait jamais été confronté à une telle demande. Oui, situation nouvelle, adaptation à cette situation. Mais malgré tout, il y a un certain professionnalisme qu'on a pu retrouver chez tous vos confrères. On a quand même entendu, ça et là, des informations circuler quant à un manque de moyens matériels. Je pense notamment aux cercueils. Ce sont des choses que vous avez pu véritablement constater ? Non, on a eu une forte demande, effectivement. On a eu pas mal de défunts sur le mois d'août. Oui. Mais on a toujours un stock qui nous permet de travailler. On n'est pas en rupture de stock. Et pourtant, on a entendu certaines voix dire qu'il y avait cette situation. Alors, je sais pas là aussi, ça fait partie peut-être des fake news qui ont beaucoup circulé autour de ce virus, de cette situation sanitaire. Pas forcément, peut-être. Oui. Après, pas forcément, puisque certains ne gèrent pas leur entreprise de la même manière. Nous, d'accord, on a un stock sur le cours de l'année qui nous permet de prévoir. Très bien. C'est pas un stock pour l'ensemble des entreprises de pompes funèbres de la Guadeloupe. Chacun a son fournisseur, chacun a son relais. C'est ça, ses aménagements. Très bien. Autre question, c'est sur la relation que vous avez avec les services médicaux, c'est-à-dire ceux qui déclarent légalement les décès. Comment ça se passe ? Là aussi, il a fallu vous adapter. Comment vous communiquez ? Comment ça se passe concrètement sur le terrain et chaque jour ? Alors, du coup, lorsque ça nous est déjà arrivé, en fait, que certaines familles, on arrive, on vient, ils ne nous ont pas informé, le médecin n'a pas informé que c'était, qu'il signait que la cause du décès était liée au Covid. Ah, carrément.
Voilà. Donc lorsqu'on arrive et qu'on se trouve face à un cas Covid, on est obligé de repartir puisque c'est la mise en bien immédiate si le médecin, bien évidemment, coche cette case. Très bien. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai protocole par rapport au Covid. Racontez-nous, vous disiez que dès que le décès est déclaré comme étant lié au Covid, il faut partir tout de suite avec le corps. Alors, on part généralement tout de suite, effectivement, avec le défunt. Le médecin, c'est en fonction de ce qui signe. On peut partir avec un défunt du Covid sans mise en bien immédiate, sauf que si le médecin nous a signé mise en bien immédiate, on est obligé de faire venir la famille en amont pour faire le choix du cercueil et ensuite venir récupérer son proche. Accélérer un peu la procédure, malheureusement. C'est arrivé, vous le disiez, que parfois, malheureusement, la case Covid n'ayant pas été cochée, ça met en difficulté vos équipes, votre entreprise, peut-être une crainte pour vos employés, tout simplement. Alors, on est toujours amené à utiliser les équipements nécessaires pour venir récupérer un défunt. Effectivement, lorsque c'est un cas lié au Covid, on utilise plus de protection. Donc oui, ça nous met mal à l'aise, et notamment envers nos collaborateurs et nous-mêmes, puisque nous avons des familles aussi à protéger et nous protéger. Donc en effet, c'est très contraignant. Vous avez le sentiment que les choses vont s'améliorer quant aux chiffres d'ici aux semaines à venir ? On a déjà, nous, de notre côté, vu une certaine baisse, légère, mais une certaine baisse. Donc j'espère vraiment qu'on pourra continuer sur cette pente. On sait que vous êtes dans ces métiers formés à la gestion de la mort, tout simplement, puisque c'est le cœur de votre métier. Mais est-ce que vous-même, en tant que professionnel, il y a eu des moments où vous avez ressenti quelque chose de plus douloureux à exercer ce métier-là par rapport à la crise sanitaire ? Oui. Oui, vraiment ? Oui, oui. Puisque, comme je vous disais, le cœur de métier, c'est respecter les dernières volontés, de faire au mieux. Et on avait tellement de cas, alors Covid et non Covid, on se demandait si on ne s'était pas bâclé, alors que ce n'est pas le cas. On répond à la demande du client, mais ça va tellement vite qu'on a l'impression de faire un travail bâclé. Oui, parce qu'il y a la partie, effectivement, protocolaire du service, mais il y a la partie relation avec la famille. L'empathie, c'est peut-être celle-là qui était... Exactement. Il fallait accélérer, pas le temps toujours d'être aux côtés de la peine des familles. Et ça a été difficile pour vous. Ça a été très difficile de gérer. Parce qu'on fait ce métier justement pour pouvoir aider et accompagner les familles dans le deuil. Et là, cette partie a été écourtée. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour des cas de décès qui ont été relevés à l'extérieur du département, où il a fallu attendre effectivement pour faire les obsèques ici, ou alors de parents qui vivent par exemple en métropole ou ailleurs, qu'on a dû attendre, ça a été compliqué? Il y a eu deux cas. Il y a eu le cas où les personnes meurent hors du département et effectivement, par rapport au vol, c'est compliqué de les rapatrier de suite. D'accord. Et on a eu les cas où les personnes décèdent en Guadeloupe avec de la famille en métropole et qui ne pouvaient pas venir tout de suite. Et donc, du coup, ça allongeait la période, le délai pour pouvoir procéder à l'inhumation. Oui, on a eu parfois jusqu'à certaines familles qui évoquent jusqu'à plus de 10 jours avant de pouvoir procéder aux obsèques. Ça a été le cas, vous avez pu le constater parfois. On a constaté, mais surtout sur les crémations. Sur les inhumations, on arrive à tenir un délai assez raisonnable. Est-ce que, autre question, est-ce qu'il y a eu des difficultés également par rapport, on parlait de ces personnes qui viennent d'ailleurs, de métropole, en plus du temps d'attente? J'ai pas envie de parler de stockage, mais des difficultés pour vos entreprises à garder un certain nombre de corps. On a dit qu'à la morgue, par exemple, du CHU, c'était parfois compliqué. Vous aussi, les pompes funèbres ? Nous aussi, c'était très compliqué. Oui. On a dû aviser, faire des préparations, mettre des hibernateurs sur les défunts qui étaient décédés de mort naturelle et ensuite procéder d'une autre manière pour les cercueils qui sont fermés et qui doivent être quand même conservés. Il vous est arrivé parfois d'aller vers la famille et d'expliquer qu'il fallait accélérer le processus ou pas du tout ? Alors malheureusement, les familles, lorsqu'elles arrivaient en tout cas, n'avaient plus le choix que de faire en fonction des, entre guillemets, des disponibilités qui restaient. Oui. Donc on n'avait même plus besoin de leur dire... Écoutez, la situation pesait, prenait le dessus de toute façon. Et les familles, alors malgré leur deuil, étaient assez compréhensives également. Ça, Elles avaient plus de peine pour nous que pour elles-mêmes. C'est vrai. Donc vous avez vraiment des familles qui ont compris en fait la difficulté de votre exercice dans cette période. Un mot justement sur le métier de pompe funèbre. C'est pas un métier, en tout cas pour ma part, qui m'aurait tout de suite attiré.
Vous êtes plutôt jeune, sans doute parce que vous faites partie d'une famille qui a œuvré depuis longtemps dans ce secteur d'activité, mais est-ce que c'est un métier qui se renouvelle? Est-ce que vous trouvez du personnel adapté et formé régulièrement en Guadeloupe pour opérer dans toutes les activités liées au service funéraire? Alors, effectivement, on a énormément de demandes. Nous, on a été créés en 1984. Oui. Ensuite, il y a les enfants qui ont repris. Oui. Je travaille depuis un certain nombre d'années dans l'entreprise familiale et je vois souvent, très souvent, pratiquement tous les 3 mois, des jeunes qui viennent me demander de faire une formation de conseiller funéraire. Comme quoi, finalement, c'est un métier qui attire. Ce qui attire chez les gens, alors généralement, ce sont des personnes qui ont eu un décès. D'accord, qui ont vécu l'expérience. Qui ont vécu l'expérience, ouais. Et qui ont eu envie, justement, d'aider les autres. Et ça se passe comment? Il y a une école, il y a une formation pour les jeunes qui seraient intéressés? Oui, il y a une formation, c'est la formation de conseiller funéraire. Donc, c'est en plusieurs parties. Il y a le maître de cérémonie. Mm-hmm. Ensuite, il y a le conseiller funéraire qui englobe le maître de cérémonie. Et pour pouvoir être dirigeant par la suite, le dirigeant d'entreprise. Et ça et peut se faire ici, en ça Guadeloupe? Ça peut se faire ici. Il y a plusieurs centres de formation qui proposent ces formations. Très bien. Donc, ça veut dire que c'est un métier qui, de toute façon, c'est un service dont on a tous besoin. Et il faut le dire, ouais, c'est une vérité. Et c'est un métier qui peut recruter encore. Donc. Alors, sur le domaine du conseiller funéraire, ça dépend, puisque certaines entreprises sont encore très familiales. Là où il y a vraiment de la demande, c'est sur les porteurs-chauffeurs, les thanatos. Il y a des quotas par zone géographique sur le territoire du nombre de pompes funèbres qui peuvent s'installer ou chacun peut y aller de sa création? Alors, j'avoue que je n'ai jamais cherché, puisqu'on est déjà tellement bien implanté chez nous que je n'ai jamais cherché, mais il y a encore des entreprises qui se créent. D'accord. Donc, et puis une offre qui se multiplie. Vous parliez de crémation également. Il y a une nouvelle adaptation du service funéraire, peut-être même à travers parfois, on l'a vu, des visioconférences pour les parents qui sont à l'extérieur. Là aussi, c'est un métier qui est en plein, qui peut-être se sert de la crise pour évoluer. Un exemple, j'avais déjà proposé cette option à mon père en lui disant j'aimerais bien filmer en direct les funérailles pour les jeunes qui venaient de partir faire leur étude et qui ne pouvaient pas forcément revenir. Oui. C'est tombé en plein Covid, en plein quota, 25 personnes maximum pour les funérailles. Et donc, du coup, on a lancé l'offre. On vous souhaite bon courage parce que, on espère que cette crise sanitaire va s'amoindrir dans les jours à venir. Mais on sait que vos entreprises ont été fortement sollicitées, notamment sur cette 4e vague Covid. On espère que les choses iront mieux. Bon courage encore et merci d'avoir accepté l'invitation de QSD. QSD que vous allez retrouver, bien évidemment, sur le www.etv.gp. Mais d'ici là, on vous souhaite une très, très bonne soirée avec la suite de nos programmes.